Ça, c'est une version qui fait mal, vous les femmes. Michel Sardou. Dany, Garou va se mettre ici. Merci infiniment de cette version. C'est une chanson espagnole au départ, vous les femmes. Hein, c'est des chansons espagnoles, oui, au départ. Mais elle est devenue beaucoup plus française qu'espagnole. Elle est adaptée par Michel Jourdan. Alors là, est-ce qu'on peut dire que, Michel, je suis entouré de quatre séducteurs aujourd'hui? Oui. Comment ça, oui? Oui. Ta femme est... Alors que ta femme est en coulisses. Oui. Et alors, Bon, ma femme m'a séduit, c'est vrai, c'est la seule exception. Autrement, tous les deux, on ne peut pas savoir ce qu'on a fait. Julio et moi, on a fait canter. C'est vrai? Oui. On a joué au golf. Oui, t'appelles ça jouer au golf. Garou, est-ce que t'es un séducteur? Je suis un séduit, moi, surtout. C'est incroyable. Hein? Et toi? Non. Moi, je sais pas, c'est difficile de répondre à cette question, quand même. Parce tu es séduit ou tu séduis? Mais je crois que le séducteur, c'est celui qui ressemble aux autres. C'est celui chez qui on se retrouve. Mais s'afficher comme un séducteur, j'ai toujours trouvé ça un peu... C'est que tu as très jolies fesses, donc c'est à partir de là, tu vois, ton charme est là. Michel, non, j'en supplie, Julio. Non. Michel, qu'est-ce qu'il a de plus que vous, lui? Qu'est-ce qu'il a de plus que toi, Julio? Ah, Julio, d'abord, c'est un homme magnifique, gentil. Ouais, adorable. Ça, c'est vrai. Très courtois, très souriant, que j'aime énormément et depuis fort longtemps. Qui a beaucoup d'humour, qui sait se moquer de lui aussi avec beaucoup d'intelligence, et ça, c'est assez rare. Très bien. Et j'ai toujours apprécié ça chez lui. Voilà. Bien. Alors... Non, je vais pas l'embrasser sur la bouche. Non, mais maintenant, on va vous retrouver tous les deux. Dans un duo. Regarde. De tanto correr comme los sentimientos, viviendo aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy Guadalupe, ya no sé lo que siento. J'ai oublié de vivre. J'ai oublié de vivre. C'était l'époque où vous aimiez. Non, mais surtout quand écoutez Sardou, tu vois. La première fois que je vois Sardou dans la scène, c'était à l'Olympia, il y a 26 ans, 25 ans, avec Monique Lamarcy. Je vois un artiste en face du microphone, et j'étais complètement séduit. Et j'ai dit à Monique, si Sardou il veut, il fait une carrière mondiale. Ouais. Seulement s'il veut. C'est son jeu de jambes qui t'a impressionné, oui. Surtout. Non, c'est sa présence, sa force. Ouais. Ah oui, je sais. Pas ses fesses, d'ailleurs. Je l'ai bien en face. Ça, c'est venu beaucoup plus tard. Je l'ai bien en face. Et je dis toujours, vous savez, mon cœur, je dis en face de lui, c'est une des plus belles voix française de l'histoire. Et je l'ai rencontré après, beaucoup de... Michel, tu aurais pu, si tu l'avais voulu, si tu avais été un petit peu moins paresseux, faire une carrière internationale, mais tu ne voulais pas quitter la France, hein? Non, mais j'ai chanté en Argentine, j'ai chanté au Brésil, j'ai chanté un petit peu. Seulement, il voulait me faire travailler trop. C'est que lui, c'est un grand travailleur. C'est ce que je te dis. Oui, il c'est un grand bosseur. Il voyage tout le temps. Les avions, les décalages horaires, aller chanter en anglais, aller chanter en espagnol. Bon, t'as vu comment je chante en espagnol. Franchement, c'est ridicule. si j'arrive... Alors là, je vais y aller. Je vais à New York, à Los Angeles. Bon, je vais refaire un tour. Mais en français... J'ai mis un changement à toi dans la tête aussi. Il y a quelque chose qui... Je vais prendre mes valises comme avant, comme toi. Je vais y aller. Voilà. Hein, ça, c'est un des cartons de la saison, de cette fin 2004 et début 2005. C'est pour toi. On va retrouver Michel et Garou tout à l'heure, avec un duo... écrit par Didier Barbelivien. Maintenant, Julio, je te propose d'écouter une voix qui ne va pas te laisser insensible, celle de Lara Fabian. Un jour, tu feras un duo avec elle, j'en suis sûr. Lara Fabian est une belle et grande voix que les Français adorent. Elle compose ses chansons. Celle-ci est coécrite avec l'homme de sa vie, Jean-Félix Lalanne. Elle a pour titre « La lettre ». Elle est accompagnée par des cordes ravissantes qui ne vont pas te laisser insensible. Lara Fabian.